Yo, bande de rochers, c'est Dragoon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Fez au Calmzer, dans le Cityzer. Hein, on va pas se mentir. Hein. J'avais envie de faire une vidéo sur Fez, bordel de merde. Pff, juste comme ça, hein, sans raison valable. Hein, donc, on va commencer une nouvelle partie. Sans plus attendre. Donc, je pense que je vais juste faire un petit épisode comme ça. Je vais passer le son de mon casque par contre, parce que j'entends plus rien du coup. Je m'entends même plus parler et faut pas que je parle trop fort parce que il est 1h30 du mat. Si vous voulez, ça pose un peu des problèmes. Donc on va faire écouter le commencement du jeu. Hop, j'avais oublié mes déplacements. Et après, si vous aimez bien, bah écoutez, je peux vous en faire. Hein, si vous m'en demandez, je vous en refais. Pas de soucis. En tout cas, petite vidéo comme ça au calme avant d'aller se coucher. Hein, j'ai envie de vous dire, on s'arrête jamais là. J'ai niveau contenu, on a formé comme des putains de chinois, donc. Autant dire que c'est plutôt bien. Donc, dirige-toi vers la boîte aux lettres. Pour vous, j'ai passé un petit peu le tuto. Voilà, space. Retrouve-moi en haut. Donc, faut grimper là, tout simplement. Hop. On grimpe au Calmzer. Ou merde. Meurs pas, frère. Donc, pour l'instant, on peut pas faire tourner le monde, ce qui est une des particularités de ce jeu. Hein. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Pour ceux qui connaissent, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est bien. Non mais sérieusement, pour l'instant, il faut juste monter en haut. Hop, on va dire bonjour à Rodrigo là. Parce que je m'appelle comment moi déjà? Gomez, une connerie comme ça. Bref. Hop, quand tu veux, tu veux. C'est parti, ok. Très bien, des gros dialogues apparemment. Donc, pourquoi j'avais envie de faire du Fez? Parce que le principe du jeu... Enfin, ce jeu de plateforme m'intéresse beaucoup. Et puis parce que je trouve les graphismes sympas, tout simplement. Merde. Depuis quand il faut des bonnes raisons pour faire un petit jeu au calme? Je l'ai acheté tout à l'heure, hein, je l'avais pas. Hein. Je me suis dit, tiens, on va acheter un petit jeu, comme ça je vais leur faire une vidéo, ils seront contents. Hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, le petit cube de la vie. Hop, on va passer parce qu'on comprend rien, on comprend mes couilles. Donc, voilà, on va passer le chat. Petite cinématique, hein, bien entendu, une des meilleures. Oh. Ah. Ah voilà, hop, on passe, on se voit les couilles. Voilà, donc... Ah oui, putain, qu'est-ce que c'est? Le chapeau, nous le voulons. Nous le voulons. Le délicieux chapeau rouge. Bidou. Tup, tup, tup. Ah non, il est volé. Bon, il a l'air heureux, hein. Donc, comme vous pouvez voir, on peut changer les perspectives du monde. Bla, bla. On a cassé la matrice. On a fucked le game, on a cassé le jeu. Voilà. Bon bah voilà, j'ai cassé le jeu. Bon bah salut, c'était Dragoon. Non, plus sérieusement, hop. C'est le jeu, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas votre. C'est pas la vidéo qui buggeille comme ça. Hop, on commence. Ça me rappelle étrangement le début, hein, on va pas se mentir. Hop. Attendez, je fais une ellipse. Je reviens. C'est bon les amis, comme vous pouvez le voir, on peut tourner les perspectives, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas le... Action. Normalement, il y a un petit truc action, avec le temps, les FPS et tout. Je ne le vois pas, c'est peut-être une spécification du jeu. En tout cas, ce petit cube va nous expliquer quoi faire à Gomez. Voilà, je m'appelle. Il y a un problème. Besoin de ton aide. Je suis là pour te guider. Je m'appelle Dio. Il s'appelle Dio Brando, va me dire. Donc, ses chairs étaient fractionnées. Tous les fragments étaient éparpillés. Ok, je dois le réformer. 107. Hexaèdre. D'accord. Tout s'écroule.
tu as reçu un don, un grand secret a été révélé. Il existe un monde au-delà de mes couilles. Et d'autres dimensions sont celles que tu te connais. Ouh, c'est délicieux. Ceci est la porte. Voilà, symbole, beaucoup de portes. Chacun poker et cube, donc il faut trouver les cubes pour ouvrir les portes. Comme vous pouvez le comprendre, et tu dois d'abord quitter cet endroit. Cet endroit magique. Comme celui-ci, pour rassembler tous les morceaux de cube pour pouvoir passer dans la porte. N'empêche, c'est pas très cohérent. Hop. Trouver les 12. Hop, pas de stress, il y a un point S, tu te souviens. Voilà. Maintenant, vas-y. On peut changer de perspective, bien entendu. Ce qui est le principe du jeu, hein, je vous le rappelle. Hein. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas trop Fez. On va rentrer. On va rentrer dans toutes les maisons parce qu'on fait le café. Cette maison ne sert à rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, change les perspectives, c'est rigolo. Non, plus sérieusement, c'est plus... Ça a des attraits vachement, vachement intéressants, en fait. Tac, tac, tac. Merde. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu chaud hein, à maîtriser, ce bordel. Mais quand on s'y fait, très franchement, ça va tout seul. Donc, cette porte est locale, il faut que je trouve le coffre qui est... Je sais plus où il est. J'irai tout à l'heure, je suis sous le pont. D'accord, cette salle sert à quelque chose, hein, on va pas se mentir. Hop, on va continuer, hein. On va pas se faire chier. Hop, continue. Voilà, c'est là qu'il nous faut aller. Vers la maison. Donc je sais que ça peut vous donner le tournis, what the fuck, y a pas de... Ça peut vous donner le tournis à moi aussi un peu, tout cet effet de perspective. Hein. Mais c'est pour votre bien, les enfants. Voilà, hop, c'est ça que je cherche, c'est mon deuxième. Ils sont tous en haut je crois après, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas trop. J'adore la musique. J'espère que ça vous plaira aussi. Un coffre à trésor. Donc j'ai une clé qui doit ouvrir cette saloperie qui est en bas. Je sais plus où il est. Ah là. Elle descend. On ouvre. Et rentre. Alors, une carte au trésor. Oui, je connais un minimum les items, je me suis un peu renseigné. Tu trouves une carte au trésor. Elle est délicieuse cette carte. Mais oups, désolé. Voilà, bon bah démerde-toi. Donc ça c'est mon inventaire. Carte au trésor. Très bien, bon, on a déjà 7 cartes au trésor, c'est plutôt pas mal, donc on... By the way. On va continuer sur notre lancée. Hop. Faut rentrer dans toutes les maisons, il y a plein de... Est-ce que je suis très cher à rentrer là-dedans? Ouais, non. Hop. Ça sera pas une grande vidéo, je pense, parce que je suis crevé, hein, très franchement. Et puis tout simplement, c'est pas très long, hein. Merde, je veux dire, je suis devenu. Et puis, ouais, puis qu'est-ce que je vous dis, sérieusement. C'est un épisode pilote, hein, si jamais vous en voulez d'autres. Je pense que j'en ferai même si vous en voulez pas, et puis merde. Mode Balek. Hein. Parce que j'aime bien ce jeu, je trouve ça l'atmosphère sympa, hein, donc, ouais. On va continuer. Puis demain, je vais tourner aussi du Assassin's Creed. Ceux qui suivent. Hop. Et voilà. Allez, saute. Putain, j'étais pas obligé de bouger les perspectives. Y a pas de. Y a plein de. Pardon, de manière de jouer hein, ce jeu. Et moi, je vais essayer de me contenter d'une manière toute somme normale.
pas se mentir. Et voilà, et le dernier, et bien sûr, là-haut. Genre, je pourrais faire ça. Non, pas du tout. Hop, et voilà. Et le vieux est parti, hein. Il était sur son banc, au calmeur, il est parti. Donc voilà, j'ai eu le cube. Bravo. Ah bah, il est réapparu carrément. Tu peux maintenant ouvrir la porte. L'once. Bon bah, allons-y gaiement tout en chantant. Voilà, hop, comme vous pouvez le voir. Il y a des moyens de pas se casser la gueule. Tu peux quasiment voler en fait. Voilà. Je me suis pas trompé, c'est pour vous dire. Hop, et voilà. Finalement, ça peut se speedrun, hein, je suis sûr, comme jeu. L'aventure va commencer, les amis. Alors, écoute-moi. Escape. Oui, donc, je disais, oui, c'est incohérent, parce que leur petite île, ils arrivent à subsister à leurs besoins. C'est un petit peu des... C'est un peu bizarre. Ah, bah, c'est parti. Ça, c'était le début, je crois. Ouais. Donc on va pas y aller. Parce qu'on y est déjà allé, techniquement. Oula. J'ai de la chance, là. Bon réflexe. Quelle petite musique. Enfin, le petit bruit de porte. Ouais, il est heureux, il a l'air bien dans sa vie, dans son... Oula. On va se mettre là. Là. Et voilà. Donc maintenant que j'en ai deux, c'est normal, ça se cumule. Hop, on va sans plus... J'arrive plus à parler, putain, c'est la folie. Waouh. Regarde cet endroit, ça m'a l'air important. Je tourne un coup de... Ok. Oh non. Oups, désolé, quoi. Voilà, en gros, vous avez dû comprendre. Oups, pardon, excusez-moi. Vous avez dû comprendre un petit peu le fonctionnement du jeu. Oups. Là. Encore une chose. Alors. Moi, je voulais voir ça. On est censé voir ça comment? Les copains. Bon, super osé. Voilà, une porte. Donc ça doit être par là, hein. Écoutez. Oh, c'est magnifique. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, mais je pense que je peux pas résister à l'appel de la vidéo. Sérieusement. Je trouve ça trop beau comme jeu pour le laisser comme ça. Oula. What? Alors, plus d'effet de perspective la prochaine fois. Ils m'ont embrouillé. Plouf. J'essaye de passer comme où mène donc cette porte. Ils sont sérieux, je comprends plus rien.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y en a, y a pas 36 000 mondes, donc c'est plutôt pas mal. Bla. Oh, la petite musique du jeu toute mignonne. Grimpe. Oups. Il y a une porte là. Techniquement, il y a une porte. Bon, c'est pas là. Oups. Ouais, donc je suis désolé si je semble long, hein, mais bon. Quel homme viril. Non, c'est nul. J'ai compris comment ça marchait, hein, vous inquiétez pas, mais... Il faut la balancer avec vigueur. Ouais, c'est bon, je suis allé. Donc on grimpe. Au pire, très franchement, si j'arrive pas à finir le jeu, c'est pas bien grave. Tant que vous kiffez, ça me... c'est ce qui m'importe. Très bien. Bon. Je pense que c'est un secret, ça très sincèrement. C'est une map secrète, ce qui fait que on peut s'amuser dessus. J'adore comment il se déplace. Bla. Bon, au pire, Osef, vous savez quoi? On va pas se casser le cul. Hein. Hop. Et voilà. What? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me gave. Non, plus on peut rester. Hop, voilà. Ok, d'accord. Allez, prends ta petite bombe. Ah oui, c'est vrai que ça, ça aussi, ça. Faut voir si j'arrive à faire. Non, ça marche pas. Je suis désolé si vous trouvez ça long, mais je suis pire, je...